Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. Je suis née en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. De l'auteur prolifique et connu, Colette, cachée sous l'écriture de son mari Willy, Claudine à l'école est une histoire d'adolescence, d'amour, de défiance et d'exploration. Enracinée dans ses propres expériences, Colette crée une œuvre qui traverse les frontières de ce qui est normal pour une fille à l'école. Un beau roman, intemporel, qui nous rappelle que l'histoire se répète et qu'il n'y a pas une trajectoire typique en devenant adulte. À travers ses notes dans sa journal, nous apprenons l'expérience de Colette en grandissant et en se découvrant. En avance sur son temps, la jeunesse du 21e siècle serait prête à apprécier cette œuvre précoce de Colette. En œuvre avant-garde, Claudine à l'école traite des sujets pertinents d'aujourd'hui, la sexualité, l'amitié et les rôles de genre. Si vous êtes une jeune fille, un jeune homme, n'importe qui, vous apprécierez cette histoire, ce passage à l'âge adulte.